Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Tinikin. On est toujours dans Balnéa. C'est parti! Et voilà donc où on en était. On a déjà fait pas mal de choses. On a mis du pain moussant dans la baignoire. On a allumer la radio, on a allumé le chauffage, il manque encore le yacht et le laser. On n'a toujours qu'une seule quête de découverte. On va d'ailleurs aller la finir. On a deux quêtes mystères qu'on ne connaît pas. Par contre, on a trouvé suffisamment de pollen pour débloquer notre bulle de planeur. Et ça, c'est cool! Voilà, donc on a la première partie. Le cadeau de Jack arrive à Rose. Et du coup, on va aller voir Rose pour pouvoir livrer le cadeau de Rose à Jack. Maintenant qu'on a ouvert et que les deux espaces sont accessibles facilement. Ce dessin! Il est de Jack. De l'eau a fait couler certains traits, mais je reconnais cet endroit. C'est la cabine où nous sommes rencontrés. Attendez, ne le regardez pas, c'est gênant. Voilà, et donc on emmène le cadeau de Rose pour Jack. Jack était... il était par où, Jack? Je ne sais plus. Jack était là. Il dit merci d'avoir livré mon cadeau. Vous avez des nouvelles de Rose? Bah oui, le cadeau arrive. Alors, les Tinis sont pas rapides, mais ils arrivent. Et voilà. Sérieusement, faut qu'on se pousse plus, mais ça fait poser les trucs. Ah, et forcément, ils sont de l'autre côté. Jack, tu ne m'as pas oublié! Jamais, Rose. Il voudra te garder dans cette fosse, mais tu dois rouler de l'avant. Ma famille m'a laissé te rejoindre grâce à ton cadeau. Peut-être aussi parce qu'ils étaient trop lents pour me suivre. Après avoir vu ton dessin, mes parents sont restés sous le choc. Je les ai plantés là et me voilà! Adieu, la vie de Piusi est bien rangée avec toi. Je me sens volée, Jack. Nous avons quelqu'un à remercier. Merci, Milodan, d'avoir pris de votre temps pour sauver deux âmes en peine. Prenez ceci. Je l'ai trouvé un jour où je me noyais, où je nageais au fond de la baignoire. Ok, bon ben, on va de l'autre côté du coup. Je peux sortir par là. Ça nous fait parcourir beaucoup de distance. L'anneau d'éternité, c'est parfait. Notre premier artefact du musée. On va aller regarder un petit peu ce que ça a débloqué la dernière fois, parce qu'on a tiré le poids. Et j'avoue ne pas avoir trop bien vu ce qui s'est passé. On a toujours le laser à amener ici. Pas l'impression que ça ait changé grand-chose.
On va prendre de la hauteur. Hop. Ah si, ça a peut-être changé quelque chose ici. J'avais récupéré les bulles. Alors que le rouleau de PQ n'était pas là. Les petites bulles de pollen. Donc on peut pas mettre les petits nivers. Par contre, on peut faire ça. Ok, tranquillement. Je vais pas risquer de me casser la figure. Ça serait bien mon genre. Voilà, ça nous remplit quand même bien la bourse à pollen. On va dire ça comme ça. Hop. Pour le coup, je peux me laisser tomber, il n'y a pas de conséquences. Il y a encore plein de choses qu'on n'a pas fait dans ce placard-ci. Comme parler à la personne masquée ici. Tu me juges, c'est ça? C'est à cause du masque? Bah, faut manger pour vivre, voler pour manger. Enfin, tu pourrais m'aider à changer tout ça. Un vieux type chelou m'a donné un tuyau. Il y aurait au fin de fond de cette presse un trésor inestimable. Une gemme. Mais la presse est fermée. Il faudrait l'alimenter, savoir planer au moins 4 bulles pour s'en sortir là-dedans. T'aurais aucune utilité d'une telle gemme, mais je te l'échangerai contre quelque chose, ça te va? Ça me va parfaitement. Comment on alimente ton machin? Parce que là, j'ai une prise. Ah oui, j'ai une prise et j'ai un autre bout de prise. Donc, on peut être parti. Oui, toujours par le côté où il y a de l'électricité d'abord. On a droit à 8, hein. C'est pas énorme 8. Mais c'est suffisant. Ok, donc ça ouvre là. Il y a encore plein de choses qu'on n'a pas faites à plein d'endroits, comme ici. Paraît qu'ils ont réparé la machine ancienne de Sanctar et que maintenant on peut entendre le cantique d'Arwin. Le cantique de quoi? Arduin. C'est qui celui-là encore? Non mais t'es sérieux ou pas gros? C'est le créateur, un peu de respect yo. Ah bon? Bah il pourrait commencer par dire bonjour ton Lascar hein. Oh ça fait pas mal de choses ici, c'est cool. Comme le super laser. Ok, donc le laser, va falloir que je leur dise d'aller l'emmener au bon endroit. Hop, ici c'est bon. Et je sais pas si on a fait en dessous. Mais on va d'abord essayer ceci. Je pense qu'on va s'amuser. Hein, on voit que la bague est là. Ok. Donc déjà, premier avertissement, cette chose-là, ça tue. Youpi. J'aime. Ok, cette chose-là, ça... Ah oui. Oh, ok. Ok, je vais plutôt courir en fait. Je vais courir plus vite que ça. Wow. Punaise. Quel est le quoi?
J'imagine que les deux autres aussi tournent pas dans le même sens. C'est parti, pas comme ça du coup. Putain. On va attendre. Voilà. Ça descend, ça remonte. Je pensais que celui-là remonterait pas. Faut que j'attende en fait, tout simplement. Je suis trop pressé. Je suis trop pressé, je suis trop pressé. Ok, ici ça fait un par un, donc j'imagine que le principe c'est tu y vas doucement, tu te fais pas écraser, et voilà. Alors, oh, pinaille. Bon, bah ça se relève pas, ça se relève, ça se relève pas. Tout va bien? Ah! Vous êtes qui vous? Vous êtes venu d'où? Je vous ai loupé quelque part. Je vous ai loupé quelque part. Ici, on a ça. Donc, on va le faire tout de suite. Ok, ça libère la sortie. Ma question étant, est-ce que je peux passer dans ce... Prends ton temps, chouchou, prends ton temps. Hop, ça se relève. Hop, ça se relève. Hop. Je vois pas de conduit pour l'instant. Donc, ça descend. Hop, ça descend ici et on va là. Donc là, on sait qu'il faut juste courir très vite. C'est par ici qu'il y avait un... Bah, je le vois pas. Ah! Ok! Bien évidemment, il faut passer par les... Et je peux pas remonter, hein. Ah, je peux peut-être remonter en planerisant très haut. Non, je descends très vite. Je descends très vite, je descends très vite. Je descends trop vite, donc il faut repasser dans ce sens-là. L'horreur. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette machine? Hop. Trop vite, chouchou, trop vite. Hop, voilà. Donc, ça tombe, ça remonte, ça tombe, ça remonte. Et on passe. Et donc, on n'a plus rien à faire ici. On se casse. Haha, fini la vie de mendiant, de voleur à la petite semaine. Tiens, ta récompense. Pour être honnête, mon pote, elle a aucune valeur pour toi. En revanche, tends-le-moi donc, ce diamant d'innocence. On a trouvé un artefact, l'entraille d'acier. Mais il nous manque toujours une quête. Il nous manque toujours une quête. On a dit qu'il y avait des choses. Je sais plus où j'ai pas fait. Ici, je suis passé. Il y a un endroit, j'ai dit, il faudra que je revienne. Et je suis parvenu. Ici, il y a une prise.
Ok, il y a une prise là, avec tes tini ici. Donc, j'imagine qu'il faut alimenter cette chose-là, comme ça. Voilà. Ok, ça ouvre la machine à laver. J'en fais quoi, moi, de la machine à laver? J'en fais quoi de cette machine à laver? Et il manque une centaine de bulles. On va faire le yacht, hein, ça c'est évident. Le yacht, c'est évident. Ça nous permettra de prendre un petit peu de hauteur pour voir un petit peu ce qui nous manque. J'avais pas une lettre à... Non, il me manque une lettre aussi. Ah oui, voilà ce qui me manque. Voilà ce qui nous manque. Ce placard était ouvrable. Hop, donc on met le laser dans la pince à cheveux. Et on attend le bateau. On sera bon, il ne nous manquera plus que notre quête, du coup probablement dans ce placard. Et puis bah, on verra comment attraper la petite centaine de bulles qui nous manque. Tout cas, le bateau arrive. Ils sont quand même super forts ces Tini. Et donc on rajoute l'eau dans la baignoire. Et c'est la fête. J'ai même reçu une invitation, regardez! Yo, le vieux moisi, va pas nous faire un syncope, on t'en veut pas, viens t'amuser un peu pour une fois! C'est si gentil! Mon adjointe m'a dit que c'est grâce à vous qu'on le devait tout ça! Je vous en suis éternellement reconnaissant! En signe de bonne volonté, les poissons d'argent m'ont rendu les ciseaux de la ville, qui reviennent aux citoyens le plus émérite de la fosse! C'est à vous redit! C'est-à-dire vous, cher Milodan! Donc on récupère les ciseaux, sauf que nous, on va. Pas se contenter de ça, on va aller voir ce qu'il y a dans ce placard. Il y a des tinis, nous on adore les tinis. Ce sont nos copains. Il y a plein de tinis. Il y a la lettre, il y a la dernière lettre qu'on cherchait. C'est parfait. Il y a. Donc je ne vais pas changer l'angle. Hein. Il y a. Pollen. J'en vois vaguement ici. Ah tiens, il y a le fantôme. Bouh! Il est pas parti. Il y a des tinis ici aussi. Il y a surtout quelque chose à faire en bas.
On y va. Ici, ça s'ouvre vers là. Il y a des tinis. Il y a cette grosse chose. On va interagir avec son propriétaire. Tu sais, Nounours et moi, ça fait des années qu'on met le feu à la piste tous les soirs. Mais je crois que la dernière fête, c'était celle de trop. Nounours était en train de faire un quadruple salto arrière avec rotation cervicale à 30 fois en 60 degrés quand tout à coup. Splaf. Il a glissé sur une flaque vers la buvette. Rien de moins ça, il est tout taché maintenant, il n'ose même plus parler ni bouger. J'aurais jamais cru en venir à de telles extrémités, mais j'ai plus le choix. Après toutes ces années, il faut nettoyer Nounours. J'ai pas le cœur ou les biceps pour m'en charger, mec, mais toi et ta petite bande de potes, vous pouvez l'aider, non? Suffit de rétablir le courant de la machine à laver, faire entrer Nounours dedans et me le ramener. Tu veux bien faire ça, mec? On va devoir nettoyer Nounours. C'est une quête de la plus haute importance. On dépose le courrier. Et c'était la dernière chose qui nous restait à faire. Voilà, on a tout le pollen. Mais on va quand même s'occuper de Nounours, hein. C'est bien l'objectif. Je sais pas par où il passe, Nounours. Oh, il doit passer par là. Nounours. Oh, Nounours, il arrive. Et du coup, on est... quasi tout bon, hein. Il reste plus que Nounours. Vous êtes pas rapides, les tinis. Nous veut laver Nounours. Voilà, Nounours. Nounours est dans la machine à laver. Je répète, Nounours est dans la machine à laver. Attention, j'appuie sur le bouton. Au revoir, Nounours. Elle est rapide hein, cette machine à laver. Hein. La mienne, elle est pas aussi rapide. Hein. Elle est pas sec. Hein. On va devoir avoir porté Nounours alors qu'il est tout trempé. Mais ça va être super lourd. Et donc, rebelote le chemin dans l'autre sens. Et Nounours qui arrive tranquillement. Fait quand même le grand tour, hein, c'est long. Super bizarre. Il a changé, mais c'est toujours ce bon vieux nounours. On sent même encore la petite odeur de doumise à la fois où. Ah, attends, c'est vrai, nounours, c'est un truc pour toi, tiens.
l'anneau du nouveau départ. Encore un artefact dûment gagné. On va aller récupérer nos ciseaux, hein, puisque c'est pour ça qu'on était venu ici. Maintenant qu'on est super fort. Je sais pas si les la oui, l'eau ça me fait toujours du mal. Les bulles ça va. Du coup, forcément, ils sont tout contents de pouvoir faire à nouveau la fête. J'ai même pas vu où il est parti. Il est parti par là. Ok. Camarades, les bousiers sont de retour! Par les actions de ce noble héros, notre tragédie a été évitée! Mais c'est méga super trop chouette, ça défonce! Wouhou! Oui, l'ordre du monde restauré! Nous faisons la fête et les bousiers nettoient derrière! C'est la justice qui est restaurée! La justice, c'est vraiment trop ouf! Je suis trop pour la justice! Déjà 4 composants sur 6. Avec mon cerveau et tes capacités, on est inarrêtable. Retournons à Chrysal par cet accès dès que tu te sentiras prêt à continuer les recherches. Eh ben, on va y aller tout de suite. Voir comment ce composant peut aider pour la machine. Bravo Milodan, tu es encore tout mouillé! Nous avons ajouté un nouveau composant à la machine du grand Hardwin! C'est une boule à thé, remise uniquement aux libellules à la fin de leur initiation. Ça ne t'aura pas échappé, mais ni toi ni moi ne sommes des libellules. Il y en a dans les terres d'Ambrose en revanche. Une cérémonie est en préparation. Il faut passer par Transidor pour aller à Ambrose. En route! Eh bien, on ira à Ambrose la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. On est quand même pas mal niveau composant. Il nous en manque 2. C'est quand même plutôt pas mal. Et pour l'instant, on n'a pas failli à notre quête. On a réussi à attraper tous les pollens de chacune des pièces dans lesquelles on est allé. Ce qui est plutôt cool. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et à très bientôt pour la suite. Bye bye!